ta volonté, et d'accomplir ton dessein merveilleux de salut, de continuer à l'accomplir. Jésus, ce matin, effectivement, comment l'Église connaît tout de suite de l'opposition, mais aussi comment elle, elle t'honore en proclamant ton nom partout où elle se trouve. Et nous te prions effectivement pour nos frères et sœurs aussi persécutés dans le monde, en sachant que il n'y a pas un cheveu de tête même qui tombe et même à eux non plus. Que tu prends tout en considération, que tu es ce Dieu d'amour, plein de compassion. Et Jérémie le disait, effectivement, tes compassions se renouvellent chaque matin. Merci de ce nouveau jour sous ton regard, Seigneur. Merci de le bénir à ta gloire. Amen. Amen. Psaume 41. Heureux celui qui se soucie du pauvre, le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, il le soulage dans toutes ses maladies. Merci Seigneur de nous permettre, ici-bas, de faire ta volonté et d'être des ambassadeurs de Christ. Et de permettre aux pauvres, aussi bien de bien, mais aussi d'esprit, de pouvoir entendre ta parole. Merci de nous guider et de nous utiliser pour pouvoir répandre ta lumière auprès de nos frères et sœurs, mais aussi auprès de tous ceux qui ne croient pas en toi. Tu es la délivrance, tu t'es sacrifié pour nous, pour nous laver de nos péchés. Merci Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Merci Père éternel. Seigneur, je te remercie pour ta bienveillance, pour la grâce que tu nous donnes chaque jour. Merci pour ta compassion. Je te remets tout notre tracas, nos soucis entre tes mains. Tu connais nos cœurs et nos vies, que tu nous éclaires de ta lumière tout au long de notre parcours. Je t'en remercie, je te remets nos familles, nos enfants, nos amis, nos proches, ceux qui sont malades, qui ont besoin de toi dans leur corps et dans leur esprit, que tu continues à nous parler dans nos cœurs, afin que nous ayons cette joie et cette paix que tu nous donnes, ainsi que cet amour que tu nous demandes à partager envers les uns envers les autres. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. On va se lever pour prendre un autre chant. Celui qui naît en Jésus ne fait de confiance, jamais ne chancelle plus, complète et sa délivrance. Thank you.
Je laisse la place à Albert qui va nous donner son message. Merci Thierry, merci Lionel, merci à vous. Alors ce matin, nous allons commencer une série dont je vous avais parlé il y a quelque temps. Et si vraiment on rentrait dans les détails, ça pourrait nous prendre 10 ans. On va prendre 10 ans. Mais on va prendre un petit peu le temps, je voudrais qu'on étudie ensemble l'évangile de Jean. Alors je vais essayer de prendre au moins un point particulier par chapitre. Et si jamais il y a deux points ou trois points, eh bien, ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc ne soyez pas étonnés s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Ne soyez pas étonnés si j'éteins la lumière, j'espère que vous y verrez clair. Et si vous ne voyez pas votre Bible, eh bien, c'est pas grave, vous pourrez écouter ce que je vais dire. Ne profitez pas de la pénombre pour vous endormir, parce que je ne suis pas dans la pénombre et je vous vois. Et si j'ai fait ça, c'est qu'il y en a un qui s'endort, ou une qui s'endort. Jean, chapitre 1. Alors là, s'il y a des gens de la famille qui viennent, ils vont dire, je te l'avais dit que c'était une secte. Hein? Jean, chapitre 1. Désolé si vous n'arrivez pas à lire, c'est pas grave, vous écouterez. En tout cas, avant de lire notre passage, je voudrais dire que l'évangile de Jean est très certainement le plus apprécié des quatre évangiles. Et c'est probablement parce que chaque chapitre de cet évangile nous donne un point bien particulier du caractère, de la vie, de l'œuvre de Jésus-Christ, comme si Dieu nous prête vie, nous allons le voir à partir d'aujourd'hui et pour les semaines à venir. Jean, chapitre 1, nous parle de Christ comme étant la lumière du monde, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Alors, je voudrais voir avec vous Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Et nous lirons aussi les versets 34 et le verset 49. Et nous lisons Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle, la parole, c'est Jésus-Christ. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme appelé Jean qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que nous crussions par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. La véritable lumière qui éclaire tout homme étant venue dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole était faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Verset 34 et verset 49. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Et le verset 49 nous dit, Nathanaël lui répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Prions. Père Céleste, en effet, nous voulons te remercier parce que tu nous réunis dans ta maison. Merci pour ce privilège, merci pour ta grâce, merci pour la foi que tu as donnée à chacun d'entre nous. Merci pour ton salut dans notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour son sacrifice, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Merci de parler dans nos cœurs à travers cet évangile maintenant, à travers ta parole. Enseigne-nous, parle-nous et instruis-nous, Seigneur. Merci de travailler dans les cœurs de chacun, que ce soit ici, dans ta maison, de ceux qui vont nous écouter par la suite, Seigneur. Merci de continuer ton œuvre en chacun d'entre nous.
et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Il y en a de moins en moins. Hein? J'en ai assez pour voir. Ce que nous pouvons dire à travers l'évangile de Jean, c'est que Jean a un but bien précis. Il veut que chacun d'entre nous réalise que Jésus est bien le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir, et que nous soyons sauvés par lui. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est cette vérité concernant Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Il est la parole incarnée, comme on peut le lire dans les versets 1 et 2. Au commencement était la parole, Jésus-Christ. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alors je voudrais prendre les 5 premiers versets comme texte ce matin pour la première prédication. Et dans les 5 premiers versets, nous lisons « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Et le verset 9 que je voudrais prendre, c'est qui nous dit « La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. » Alors, je ne sais pas si vous commencez à comprendre pourquoi j'éteins toutes les lumières, mais vous allez bientôt comprendre. Ce qui est remarquable avec le Seigneur, c'est le fait qu'il soit Dieu, qu'il soit la parole, qu'il soit le créateur de toutes choses, qu'il soit la lumière. On peut déjà se poser une première question et je pense qu'on peut connaître la réponse tout de suite. Qu'est-ce qui peut nous manquer si dans notre vie, nous avons Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut nous manquer? Il est Dieu, il est la parole, il est le Créateur, il est la lumière. En fait, Jésus-Christ est tout, il possède tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde. Et rappelez-vous un petit peu, je risque peut-être, vous allez le faire vous-même, de faire des petits rapprochements entre l'étude et la prédication. On est dans un pays, dans une région du monde où on n'est pas malheureux pour venir à l'église. Hein? Mais pourtant, le Seigneur a tout ce qu'il faut pour nous vivre notre vie ici-bas. Le monde d'aujourd'hui oublie une chose importante. Le monde oublie qu'il est aveugle. Aveugle parce qu'il ne voit pas qu'il vit dans les ténèbres. Des ténèbres spirituelles. C'est le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, qui nous a conduits dans ces mêmes ténèbres dans lesquelles nous vivions depuis la chute. Mais ce qui est le plus triste, c'est que ça n'a pas l'air de déranger grand monde de vivre dans des ténèbres. Ça vous dérangerait de continuer à vivre comme ça sans lumière, non? Hein? Là, on parle d'une lumière physique. Mais ça ne dérange pas grand monde de ne pas voir la lumière spirituelle. Le verset 5 nous dit « La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Vous savez pourquoi ça ne dérange pas grand monde de vivre dans des ténèbres spirituelles? Jésus répond, ou Jean répond, au chapitre 3, versets 17 à 20. Alors, vous embêtez pas à le chercher, sauf si vous avez de bons yeux, mais je vais vous le lire. Jean répond à la question, pourquoi ça a l'air de déranger personne de vivre dans des ténèbres spirituelles? Il dit en Jean, chapitre 3, versets 17 à 20, il dit, « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19, la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde. Et qu'est-ce que rajoute Jean? Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20, « Car quiconque fait le mal est du verbe haïr, la lumière. Il ne vient point à la lumière. Pourquoi? De peur que ses œuvres ne soient reprises, qu'elles soient vues par les gens, par le monde. » Vous connaissez le dicton qui nous dit « Pour vivre heureux, vivons cachés. » C'est exactement ce que tous les hommes, avec un grand H, hein, parce que je ne veux pas vous exclure, mesdames, hein, c'est l'égalité qu'on appelle ça aujourd'hui, hein. Hommes et femmes, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Je ne veux rendre de compte à personne, à qui que ce soit, et encore moins à Dieu, si du moins il existe.
Voilà pourquoi Jean dira, les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Pourtant, chaque pécheur a besoin d'être éclairé pour prendre conscience du chemin qu'il a pris. Ce chemin large et spacieux qui semble être très facile à marcher. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas, eux, ils voient seulement le côté d'être à l'aise sur ce grand terrain large et spacieux sur lequel ils marchent, mais ils ne voient pas l'issue du large chemin qui est la perdition. Jésus nous dit en Matthieu 7, 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent, mais étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » C'est pour cela que Jésus est venu. Après avoir tout créé, on le voit dans les premiers versets de l'évangile de Jean chapitre 1, il vient sur la terre pour éclairer les pécheurs perdus et dans ce but de nous et dans le but de nous sauver. Alors pour bien comprendre de quoi nous parlons lorsque nous parlons de ténèbres, il serait intéressant que quelqu'un puisse me donner ou la définition du dictionnaire ou sa définition de ténèbres. Je suis un enfant de 5 ans et je te dis c'est quoi les ténèbres? Qu'est-ce que vous me répondez? Nuit. Nuit. Absence de lumière. L'obscurité totale. Vous n'êtes pas loin de la définition du dictionnaire que je vais vous donner. Absence totale de lumière, naturelle ou artificielle, dans un espace matériellement délimité en général et évoquant un corps, une matière, un contenu sensible. Obscurité profonde. Écoutez bien la suite et la fin de la définition, c'est très intéressant. Obscurité profonde, sinistre, qui peut provoquer la peur et l'angoisse. Cette dernière définition devrait retenir toute notre attention, parce que c'est une réalité que beaucoup vivent jour après jour, après jour, après jour. Obscurité profonde, sinistre, qui peut provoquer la peur et l'angoisse. La peur de demain, la peur de ne pas pouvoir tout gérer, la peur de la mort, la peur de toute autre chose. Pourquoi Jésus? Une des raisons pour laquelle Jésus est venu, c'est pour nous enlever cette peur de demain, d'après-demain, de ma maladie, de ma santé, de mes enfants, de ma famille, de mon couple, et pire encore de la mort. Et pire encore que la mort, c'est s'il n'y avait que la mort, qu'après il n'y avait plus rien, bon, on pourrait rester tous à la maison. Mais ce n'est pas le cas. Pire que la mort, c'est la perdition éternelle. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous soyez dans la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Maintenant, si vous vivez dans les ténèbres de vos péchés, ces mêmes ténèbres qui nous mettent, ou qui mettent une séparation entre moi et Dieu, entre vous et Dieu, entre toi et Dieu, c'est ce que nous dit Ésaïe. Ésaïe 59, 2 nous dit, mais ce sont vos iniquités, vos péchés qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Quelqu'un peut me rappeler ce qu'est la définition des ténèbres? Ou pas? Obscurité totale. Est-ce que c'est le cas ici? Non. Non, pas complètement. Hein. La prochaine fois, on fera la prédication à la nuit. Essayez d'imaginer. Vous êtes dans le noir complet. Je vais rester là parce que je ne sais pas si lui, du coup, il risque d'être fou. Il y a l'obscurité totale. Mais alors, totale. Ça, c'est pas grand-chose. Est-ce que vous allez le voir dans l'obscurité? Pourquoi vous allez le voir? C'est la seule lumière. Même si elle est toute petite, vous allez la voir. Et si jamais cette même lumière se déplace, vous allez la voir se déplacer. À partir du moment où il y a ne serait-ce que ça, il n'y a plus d'obscurité totale.
Là, il y a l'obscurité totale. En profiter pour allumer tout, pour tout réouvrir, et vous sortir aussi de l'obscurité totale. Ça va mieux, hein? Personne s'est endormi. Ce qu'il y avait avant qu'on réouvre tout, c'était comment on vivait avant. Et quand le Seigneur est venu dans notre vie, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui est illuminé. On voit où on va. Quelqu'un a essayé déjà de se déplacer, peut-être à la maison ou dans un endroit qu'il ne connaissait pas, complètement dans le noir. Hein? On n'avance pas vite. Hein? Et s'il y a un trou et qu'on ne le voit pas, vous êtes sûr qu'on va tomber dedans. Mais si tout est ouvert, tout est éclairé, s'il y a un obstacle, un trou, une bosse, peu importe, on va faire un détour, on ne va pas tomber dans le trou puisqu'on voit qu'il est là. Le verset 5 de notre passage nous dit « La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur vous parler, alors ne fermez pas plus longtemps vos oreilles. Venez à celui qui est capable de vous faire passer de vos sombres ténèbres à sa glorieuse lumière. Et alors le verset 12 de notre passage deviendra une réalité pour vous. Ce verset 12 qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir ceux qui croient en son nom. » Prenez les paroles de Jésus-Christ lorsqu'il vous dit en Jean 8, 12, peut-être que dans un futur plus ou moins lointain, on y reviendra. Jean 8, 12 nous dit, Jésus nous dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Seul Jésus peut chasser les ténèbres de votre vie. Je reviens quelques instants sur Simon, rappelé à l'étude, qui faisait des miracles, mais pour le nom de Dieu, pour sa propre gloire. Hein? Est-ce que lui, Simon, avec ses miracles, pouvait chasser les ténèbres de ceux qui l'écoutaient? Non. Pourquoi quand Philippe est venu prêcher, tous ceux qui étaient attachés à Simon se sont détachés et que même Simon lui-même est venu à Jésus? Parce que Philippe a apporté quelque chose que même Simon n'avait pas. Philippe a fait des miracles, mais il a fait plus que ça. Il a parlé du seul capable de transformer la vie de quelqu'un, de Jésus-Christ. Si vous témoignez à quelqu'un, je veux croire que vous le faites ou que vous tentez de le faire, ce n'est pas toujours facile, mais que vous ne parlez jamais de Jésus-Christ, du péché, de la condamnation et de l'enfer, je ne sais pas ce que vous témoignez. Si tu viens à l'église avec nous, tu verras, ça va être super. Ça peut être un moyen d'inviter quelqu'un à l'église. Mais le véritable témoignage, c'est de dire, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle commence par une mauvaise. Tu es perdu et condamné et pécheur. Si tu continues sur le chemin que tu prends là. La personne risque de dire, perdu non, je sais où je vais. Je n'ai pas besoin d'un sauveur parce que je ne suis pas malade. Mais quand on dit aux gens très clairement de quoi ils peuvent être délivrés, là le Saint-Esprit peut commencer à travailler dans la vie de la personne. Donc je disais que seul Jésus peut chasser les ténèbres, sa présence dans votre vie chassera vos péchés, votre culpabilité et vos craintes. Et alors vous l'entendrez dire ces autres paroles. N'aie pas peur, parce que je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ésaïe 41, 10. Vous entendrez encore le Seigneur vous dire en Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne t'inquiète de rien. » Qui c'est qui s'inquiète assez facilement? Soyons francs. Qui c'est qui s'inquiète assez facilement? Ok. Alors, on peut s'inquiéter parce qu'on apprend qu'on a une maladie grave. Et puis là, on peut s'inquiéter. Comment ça va poursuivre? Il y a des gens, il leur faut vraiment beaucoup de choses pour qu'ils commencent à s'inquiéter. Hein. Des fois, peut-être un peu trop même. Mais là, en Philippiens 4, 6 et 7, Jésus lui-même, il dit « Ne t'inquiète de rien. »
Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance et pas de plainte. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre et tout ce que toi tu peux comprendre, gardera ton cœur et tes pensées en moi, Jésus-Christ. Vous entendrez encore les paroles du Seigneur en 1 Pierre 5,7. 1 Pierre 5,7 qui dit « Décharge-toi sur moi de tous tes soucis et je prendrai soin de toi. » Et à votre tour, vous pourrez dire, comme dans le psaume 23, verset 4, « Même quand je marcherai dans la vallée sombre de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Vous pourrez dire, comme en Deutéronome 31,8, « L'Éternel marchera lui-même devant moi, il sera lui-même avec moi, il ne me délaissera pas, il ne m'abandonnera pas, je n'ai pas peur et je ne me laisse pas effrayer par quoi que ce soit. » Vous pourrez seulement dire ça quand vous aurez reçu la parole, la lumière, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, dans votre vie. Alors pour conclure cette première prédication sur l'évangile de Jean, je voudrais vous rappeler ces quelques versets. Au commencement était la parole, ou on va dire Jésus. Au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'était fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui, mais lui, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Le Créateur de l'univers est venu vers nous, vers moi, vers toi. En lui se trouve la seule et unique véritable lumière. Et en elle encore se trouve la vie, comme nous le lisons dans le verset 4, en elle était la vie était la lumière des hommes. Alors j'ai envie de dire, si ce n'est pas déjà fait, prends pour toi cette lumière et cette vie pour recevoir le droit d'être fait enfant de Dieu. Ce n'est pas une religion qui va vous sauver. Si dans certaines religions, on vous baptise quand vous êtes grand comme ça, ou comme ça, pour vous faire entrer dans la famille de Dieu, dans l'église de Dieu, ça ce n'est pas biblique. Ne faites pas comme ceux que l'on retrouve au verset 11 de notre passage. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ni comme ceux que l'on retrouve au chapitre 3, versets 19 et 20. La cause de cette condamnation de ces hommes, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré aimer les ténèbres que la lumière. Pourquoi ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que quiconque fait le mal est du verbe haïr, la lumière, et il ne vient point à la lumière. Pourquoi ? Parce que s'il vient à la lumière, j'ai peur que mes œuvres soient révélées à tout le monde. Voilà pourquoi, pour vivre heureux, je continue de vivre caché. Pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et encore moins à un Dieu que je n'ai jamais vu et que peut-être je ne verrai jamais. Si nous pouvons cacher beaucoup de choses aux hommes, on ne peut rien cacher à Dieu. Rien. Hébreux chapitre 4, verset 13 nous dit « Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel... » Et écoutez bien la fin. « Aux yeux de celui auquel nous... » devons rendre compte. Si vous partez ce matin de l'église, ou si nos auditeurs, et je vous remercie parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à suivre les prédications, vous vous dites, pour moi Dieu n'existe pas. Je vais à l'église pour faire plaisir à mon mari, à ma femme, à mon conjoint, à mes enfants, mais pour moi Dieu n'existe pas. Ça ne changera pas le fait qu'il existe. Hein. Vous pouvez
toute votre vie rejeter l'existence de Dieu, mais il arrivera un jour, que vous le croyez ou pas, vous allez vous retrouver face à face avec lui. La seule chose que j'espère pour vous, c'est que ce jour-là, vous n'allez pas dire « si j'avais su ». Si j'avais su, si j'avais cru, pourquoi est-ce que j'étais aussi bête et aussi stupide dans mon orgueil? Et vous savez ce que le Seigneur va vous dire? Je ne vous le souhaite pas, mais s'il risque de vous dire, je ne t'ai jamais connu. Tu peux aller de l'autre côté, à gauche, à droite. C'est ceux qui se sont confiés en moi, qui se sont tournés vers moi. Toi, tu as entendu l'appel, tu as entendu l'évangile. Qu'est-ce que tu as fait pendant tous ces mois, toutes ces années, durant toute ta vie, durant tout le temps que tu as entendu l'évangile? Qu'est-ce que tu en as fait? Ah oui, je pensais que j'aurais le temps et que j'allais vivre plus longtemps. Qui décide de quand tu nais, quand tu meurs? C'est moi, c'est pas toi, c'est pas tes parents, c'est moi. Tu as laissé passer, alors il n'emploiera pas ce terme-là, tu as laissé passer ta chance, ou plutôt tu as laissé passer ton opportunité. C'est trop tard maintenant. Hébreu nous dit que après la mort vient le jugement. Ou tu vas à gauche, ou tu vas à droite. C'est aujourd'hui qu'il faut faire le choix. C'est pas demain, parce que demain ne vous appartient pas. Hier ne vous appartient plus. Vous ne pouvez pas changer ce que vous avez fait dans le passé aujourd'hui. Mais vous pouvez changer votre destinée, futur, appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez changer votre demain si aujourd'hui vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Venez à lui tel que vous êtes. Si vous comprenez rien, mais que vous avez au moins juste compris que vous êtes pécheur et perdu et condamné, ça suffit pour venir au Seigneur. C'est lui qui fera le reste. C'est lui qui va vous enlever vos anciens vêtements et qui va vous mettre ses vêtements à lui. Il va enlever votre propre justice. Moi, je suis pas trop mal. Hein. Vu les autres, comment ils vivent, comment ils se comportent, moi, je ne dirais pas que je mérite, mais si Dieu devait choisir entre moi et mon voisin, à mon avis, c'est moi qui va choisir. Parce que si Dieu est vraiment omnipotent, il sait comment mon voisin est. Ça, vous pouvez vous le dire à vous-même, à qui vous voulez. Mais ça ne tiendra pas devant Dieu. Hein. Il va ouvrir le livre. Est-ce que son nom est inscrit dans le livre? Non, son nom n'est pas inscrit. Et si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de Dieu, à gauche, tu es inscrit, rentre à la maison, viens te reposer. Mais ça, c'est aujourd'hui qu'il faut choisir cette voie-là. Ce n'est pas demain. J'espère, je vous souhaite que Dieu vous prête vie demain et pendant encore 50 ans et même plus. Mais on ne sait pas quand on partira. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir. Ne mettez pas à demain ce que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers cette première prédication sur l'évangile de Jean, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ était dès le commencement et c'est par lui que tout a été créé. Et nous voulons te remercier parce que c'est lui qui est la lumière qui nous éclaire dans notre vie, sur notre chemin. Et Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui peut-être te recherchent, qui n'ont pas cette lumière. Que tu parles dans leur cœur, tu transformes leur cœur, tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire. Seigneur, je te prie pour que vraiment tu interviennes favorablement et que tu ouvres les yeux de ceux qui sont encore loin de toi. Je veux te remercier pour le salut que tu m'as accordé, pour le pardon de mes péchés et pour tous ceux de ton peuple que tu as racheté par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, ta patience, ta bonté. Merci pour tes bénédictions et je te demande de continuer de travailler dans nos vies. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et c'est en ton nom que nous te prions.